Secrétaire permanent conférence évêque yo, Père Hans Alexandre, qui c'est en même temps curé paroisse Sacré-Cœur Turjo, réagit tout de suite après Pape François nommé premier cardinal haïtien Monseigneur Chibli Langlois. Nomination éminence là tombée direct jour commémoration 4e anniversaire date Madichon 12 janvier 2010 là. Dans conversation Père Alexandre dit il était gagné à nouveau cardinal là après il était fini apprendre nouvelle là, li fait connait l'Église catholique pas prend événement pour lui seulement, mais c'est un honneur de recevoir pour toute Haïti. Secrétaire conférence épiscopale Lara poursuit pour le préciser, une principale mission yon cardinal, série des papes la diriger l'Église là. Père Hans Alexandre profite ajouter, si peuple haïtien arrive résister après tremblement de terre, c'est grâce à la foi li gagne dans grand maître là. Responsable religieux a tenu micro Emmanuel Tolembrina ak Delson Garcin. C'est pas une nouvelle l'Église catholique prend pour lui seulement. Parce que le moi parlé avec monseigneur Chibli qui était relé matin, il dit moi que c'est un honneur de recevoir pour tout Haïti. Parce qu'effectivement le monde père évêque qu'on y a le cardinal, il y a toute une histoire derrière. Professeur qui met tout au même dans formation, parents, famille qui était éduqué dans la foi, communauté qui était appuyé lui, tout collaborateur il gagne qui était toujours collaborer pour travail mission l'église en capable avancer donc il reconnaît que le pape prend pour lui-même seulement il prend comme un honneur pour tout pays a qui grâce à nomination ça nous certains en pile monde a repensé à Haïti mais désormais qui position l'église catholique haïtienne par rapport à l'église à l'autre l'église dans la région notamment la République dominicaine faut que nous reconnaître que siège mère des Amériques c'est en République dominicaine, c'est-à-dire que l'Église est mère pour tout Américain, c'est en République dominicaine, et c'est cardinal qui en République dominicaine, non, qui n'en siège. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont autorité et particulière sous l'Église d'Haïti. Et Monseigneur Chibli, nommé cardinal haïtien, et nous connaissons, c'est lui qui est président de la conférence épiscopale. Non. Nous connaissons tout engagement li, comme président de conférence. Là. Engagement d'abord au niveau pastoral. Et c'est pastoral là, qui fait que li pa ka rete en dehors de la vie peuple. Là, qui fait que ouais, li engagé dans la question dialogue national pour aider les pays hein, sorti dans toute lutte intestine qui gagne. Donc moi crois que et c'est une nouvelle parce que Haïti part en l'église. Et c'est en l'église qui jeune. Mais relativement, comparé avec un pile, l'autre l'église qui était un cardinal déjà, Haïti, c'est une tradition chrétienne qui est très ancienne. Et le président Broyer, dès qu'on dit ça souvent, il était toujours dit, livré pour Saint-Siège, considéré comme et petite l'église, considéré Haïti comme petite l'église parce que Haïti ne fait pas partie des pays infidèles. Haïti, et le ça, président Broyer, qui était là. Il, au 19e siècle, il a dit que, eh bien, la population haïtienne, non, son population catholique. Et même si actuellement, il y a une portion qui est protestant, mais il y a une bonne relation, la foi. Pas, autant il y a toute lutte dans le pays, mais pas une bataille entre les gens qui croient dans le bon Dieu en Haïti.